2019, Sonia Roland rencontre Djalil Lesper. Le coup de foudre opère entre l'ancienne Miss France et le réalisateur. Un an plus tard, le couple donne naissance à une fille prénommée Kaina. En 2018, Sonia Roland et Djalil Lesper se séparent. Depuis l'an dernier, le célèbre réalisateur a refait sa vie dans les bras de la célèbre. Laetitia Hallyday, inséparables, ils viennent de passer des vacances aussi romantiques que paradisiaques sous le soleil de Saint-Barthélemy. Les vacances désormais terminées, ils ont décidé d'envoyer leurs enfants dans la même école, à Los Angeles. La rentrée des classes a d'ailleurs eu lieu ce mercredi 1er septembre, comme en témoignent les nombreuses photographies postées par Laetitia Hallyday sur son compte Instagram. De son côté, Sonia Roland n'a pas officialisé de nouvelles relations amoureuses depuis sa rupture avec Djalil Lesper. Ce qui ne l'empêche pas de se réjouir pour son ex-compagnon. On s'entend très bien, pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui s'il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse, a-t-elle affirmé sur RFM en février dernier. Et apparemment, Sonia Roland vit très bien son célibat. Très active sur les réseaux sociaux, l'ancienne reine de beauté vient de créer l'événement sur Instagram en postant une photo d'elle, seule dans un bain moussant. Le cliché a suscité de nombreux commentaires et a même fait réagir Laura Smet, visiblement séduite. La fille de Johnny Hallyday a écrit un simple oula qui en dit long. Un commentaire accompagné d'émoticônes en forme de flamme. De quoi creuser un peu plus le fossé entre Laetitia Hallyday et Laura Smet. La veuve et la fille de Johnny Hallyday ont connu une période très conflictuelle après la disparition du rocker au sujet de son héritage. Cette histoire a pris de telles proportions que la justice saine est mêlée avant qu'un accord à l'amiable soit trouvé. La rédaction.